Et salut à toutes et à tous, je vais faire une petite partie tiens, aujourd'hui sur un navire que j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps, qui est le Kaga. J'ai pas beaucoup joué parce que je levelais les cuirassés et les croiseurs français. On va aller scouter sur BC puisque généralement sur cette map là, y a pas beaucoup de monde qui y va. Il suffit que je dise ça, cela dit, pour que ça se passe autrement. Alors on va voir en face, qu'est-ce qu'on a? On a un ranger, donc avec un squad de chasseurs qui va me faire mal, mais un seul squad. On a de la grosse DCA avec le Lion, avec l'Atlanta, avec le Fidji, avec le Pensacola, putain de la grosse DCA, sa maman en short. On va voir comment ça se danse tout ça. Alors ouais, les CV, moi j'aime bien, je fais partie des joueurs quelques joueurs qui apprécient les porte-avions, CV, hein, porte-avions. Carrier Vessel, il me semble, in English. Malgré qu'il va y avoir une refonte, la refonte qu'on attend depuis l'Ulure, hein, il y a quelques testeurs qui ont eu accès à la refonte, je pense notamment si vous êtes anglophone, vous cherchez Mighty Jingle, qui a eu en main la refonte des porte-avions. Ah, et je foire mon strafe joyeusement. On se barre. Il y a l'Atlanta, je me casse. Donc Wazamighty Jingle avait eu un aperçu sur ce que serait le nouveau gameplay des porte-avions. Moi j'aime assez le gameplay des porte-avions actuel du moins. Faut quand même reconnaître qu'il y a une prépondérance des porte-avions premium dans le jeu. Je pense au Kaga, au Saipan, à l'Enterprise qui dans leur style sont très forts. Très très forts. Trop forts même des fois. Le Kaga c'est surtout sa force de frappe à la torpille, donc ça va dépendre en fait de l'adversaire que je vais affronter, s'il est bon ou pas, s'il fait pas comme moi, qu'il se fait pas niquer par un destroyer. Donc ouais, selon le niveau du joueur adverse en fait ça dépend beaucoup. Est-ce que tu vas essayer de me strafe? Non, trop tard, tu peux pas me strafe, donc moi je vais venir ici et je vais essayer de strafe et de dégager mon groupe. Parce que là je vais me faire assassiner, hein, tout simplement. Ah, je me fais assassiner les chasseurs hein, contre un ranger. Il n'y a pas photo. Voilà, on va essayer de faire ça, là c'est pour l'occuper. Et je vais essayer d'aller sortir un Koenig. Il strafe pas? Il se dégage pas par strafe. Voilà, on y va. Hein. C'est pas grave. Avec le Kaga, faut larguer d'assez loin parce que les torpilles sont rapides. Donc tant qu'à faire, on largue de loin. Et lui, il devrait prendre très cher. Voilà, merci, tu sors. J'ai plus que deux chasseurs de chaque, mais j'ai sorti son squad et j'ai sorti surtout un cuirassé adverse. Je m'en mets en drop auto pour l'instant parce que je voudrais aller chercher ces bombardiers qui sont morts. Donc je vais aller rearm les chasseurs, tant qu'à faire. Je laisse souvent en drop auto, le Kaga c'est pas bien, je sais. Mais... Ah, j'allais le mettre en manuel et il a verrouillé avant, tant pis. Hop, de feu, très bien. Il va les éteindre logiquement. Voilà. Hop. Damage con, plutôt pas comme. Prévenir à la cible qui, qui peut être recramée. Hein. Alors ça pousse sur A et nous on est de l'autre côté. Donc moi ce que je vais peut-être essayer de faire c'est de gêner sur A, d'aller leur péter la gueule. En fait tout simplement. Et le Kaga, je vais peut-être l'arrêter là mon Kaga. Et je vais essayer d'aller leur péter la gueule sur A. Parce que potentiellement ça peut le faire. Si je peux sortir un autre cuirassé sur A, ça aiderait bien quand même. Il faut le dire. Bon, l'Atlanta a dégagé. Ça, c'est toujours ça de prix. Ah,
5. Hop, on y va. Qui on va aller se taper? Faudrait que j'aille taper derrière. Le problème c'est qu'il y a un lion, et le lion il fait super mal. La DCA du lion fait très mal. Est-ce que je vais pas plutôt aller sortir l'Orion? Le Fidji, je sais pas si je peux le sortir, parce que s'il manœuvre, ça peut être compliqué. On va voir. On va essayer d'aller spotter le DD qui est là. On va se placer là pour intercepter d'éventuels assaillants. Est-ce que le Fidji va esquiver ou est-ce qu'il est trop occupé? Oh bah il va peut-être pas esquiver, cela dit. Hop là, est-ce qu'il sort? Il devrait sortir, il devrait sortir. Il sort, le Fidji, merci, au revoir. C'est même overkill, j'avais pas besoin de mettre tout ça dessus. C'est overkill. Je vais peut-être envoyer mes bombardiers taper le lion pour essayer de tuer de la DCA. Ça serait bien ça. Ah merde, lui il a frappé. Ou il va frapper, je l'ai pas vu. Ah oui, il revient. Il a dû larguer et je l'ai pas vu. J'étais occupé. Le problème du Kaga aussi, c'est que ses avions sont extrêmement lents. On va essayer de se strafe dans le tas. Allez, on renchaîne. Et c'est pas grave si je perds ce squad. On s'en fout. Il a fait son boulot. Il a fait son taf. Par contre, il fait pas son taf. Je vais le rentrer. Le lion, est-ce qu'il prend des coups? Allez, on va le dropper proprement le lion, c'est bon, 5 bombes au but, ça fait du bien. Et on va continuer à essayer de taper de ce côté-là. Et je refais décoller mes chasseurs. Alors, ce qu'il a compris, ouais, il envoie ses chasseurs-là. Donc là, c'est vrai que je vais être assez égoïste, je vais essayer de protéger mes bombardiers. Parce que de ce côté-là, ça va, il y a l'avantage numérique. Moi, ce que je veux quand même, c'est contrôler bah, ce côté-là, quoi. Pourquoi il est suicidé le Konix? Oh là là, Gneisenau, il est chaud. Il est chaud comme la braise, le Gneisenau. Là, j'avoue que ici, de ce côté, normalement, ils maîtrisent. Ils sont suffisamment paquets pour que leur DCA fasse mal. Il y a quand même un New York, un New Orleans, un Lyon. Donc, normalement, la DCA, elle fait le taf ici. Donc, moi, je vais aller là pour protéger mes bombeurs. C'est le but. Le Gneisenau va se suicider. Mais là, par contre, ce qu'il y a de l'autre côté, s'il sort le Lyon, le Congo et le disque sud qui est à tes souhaits, je peux les sortir. Donc on y va. Alors moi qu'est-ce que je vais faire? J'essaie peut-être de push par ici. M'éloigner. Parce que ça craint du pâté quand même. Hein. Ah le lion, je tombe sur le lion, évidemment. Ça c'est pas cool du tout. Espérant que l'épave me gêne pas, que je puisse mettre les torpilles quand même. Aïe aïe aïe, ça va pas passer. 3 torpilles au but, ça passe quand même pas de floude. Tant pis, le lion, faut que je me le fasse. J'ai cru voir des chasseurs par ici. Là, j'avoue, je laisse se démerder, mais la DCA, normalement, elle est suffisamment puissante là. Alors, faut que je chope le lion et que je le sorte.
c'est bon, deux feux. J'espère qu'il a... Il a son damage con, putain. Eh ben il va se prendre le prochain strike de torpilleur. Par contre faut que je sois mal hein, sur les torpilleurs. Faut que je les envoie ici et j'en mette qu'un. Ah, par contre il y a peut-être un Emile Bertin qui va me faire chier là. J'espère qu'il a cramé son consommable de DCA, lui, ça sera toujours ça. Emile Bertin, faut que je le trouve. Avant qu'il arrive dans mon cul. Et le Ranger, je pense qu'ils vont le sortir. Il n'y a pas à tordre de... Il n'y a pas à tordre du nez, le Ranger. Ils vont se le faire. Faudrait cap. Faudrait cap quelque chose. Ah bah le lion, il en veut, hein. Il en veut, le lion. Moi, bah, faut que je me tire de là très vite. Très très vite que je me tire. C'est à moi de gérer ce flanc. Eux, ils gèrent le CV, moi je gère ce flanc. Et l'Emile Bertin, je sais pas où il est toujours. A priori, pas derrière moi, ce qui est toujours ça de prix. Ah, il est là, l'Emile. Merde, je rate le lion. Oh là là, c'est là, le fail intégral sur le lion. Le fail intégral. J'ai fait de la merde. Faut que je m'améliore en micromanagement parce que là, j'ai fait de la merde. J'ai fait mal au Congo, mais j'ai foiré mon drop sur le lion. Ouais, plusieurs drops à la fois. J'ai pas l'adresse encore bien pour le faire ça. Jouons à cache-cache. C'est bon, le Ranger est sorti. Donc sur ça déjà, je suis peinard. Hop, on fait un virage. Bon, le Congo, il est là. On sait, le lion, il est plus par ici. Je vais perdre des chasseurs pour pas grand chose, mais c'est pas grave. Allez, Congo first. Cette fois, il y a de l'écart entre les deux vagues. Un cerf-volant comme moi devrait réussir à faire son micromanagement. Allez, on drop. Normalement ce drop là il est bon, il est beau. Tu vas tout prendre. Boum. Alors c'est vrai que c'est une habitude avec le... Ah merde, je l'avais pas renvoyé le cinquième. Ah là je suis boule. C'est une habitude à prendre avec le Kaga, c'est de larguer relativement loin parce que les avions sont fragiles, mais les torpilles sont super rapides. Et leur pattern, vous voyez, il se resserre, donc en fait, plus vous tirez loin, du coup, plus le pattern est resserré.
Ah, ma mission secrète, c'était de détruire les chasseurs ennemis. Merde. Elle est ratée, cette mission secrète. Elle est ratée. Ok, là, notre ami le lion. Ah, sa DCA a été fragilisée quand même. Non. Sa DCA a été fragilisée, mais elle continue à faire mal. Hein. Oh putain, je vais larguer que deux torpes. Mais deux torpes au but. Voilà, tu sors. Donc ça c'est fait. Eh ben c'est pas mal 4 kills. Alors si je pouvais avoir le révolution, laissez-le moi. I need. Il va se beach et ça c'est génial. Allez, 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 allez. Ah oh, putain, je l'ai pas. Bon bah quand même, petite victoire. Sympa. J'étais à combien? Est-ce que ça m'a fait miss le Kraken ou pas ça? Ah putain, j'ai miss le Kraken sur une bombe près. Je mettais une bombe de plus. Quand il s'est beach, j'aurais dû en fait larguer avant. Et c'était good, il y avait le Kraken. Bon bah tant pis, ce sera pour une prochaine. Allez, ciao à tous.